J'ai vraiment pu avoir cette chance là aussi de sentir le pouls de ce système capitaliste qui aujourd'hui nous entoure complètement. La compréhension des enjeux de virtualité, des valorisations effectivement qui sont capables de fluctuer à l'entrechoquement des ordres d'achat et de vente, des milliards qui se créent ou sont effectivement retirés du système sur des simples rumeurs ou sur des faits divers. Tout ça effectivement nous montre que nous nous sommes déconnectés d'une certaine forme de réalité. J'étais dans le domaine financier, donc dans la finance de marché, pendant 13 années. J'ai quitté, d'un commun accord avec le domaine financier, cet univers, cet environnement. J'ai terminé un chapitre. Le fait d'avoir quitté, le domaine financier, en ayant appris beaucoup de son fonctionnement, m'a permis effectivement de soutenir les différentes étapes de la création de la start-up OrYou. OrYou, c'est cette plateforme sociale qui consiste à mettre en lumière les initiatives positives partout à travers le monde. Comme nous le disons en anglais, cette notion de se connecter, to connect for good. On a aujourd'hui plus de 700 associations, fondations, ONG du monde entier qui ont rejoint OrYou. Nous avons aussi créé la fondation OrYou. J'ai eu la chance d'avoir mon chemin et aujourd'hui de pouvoir être pleinement heureux en me mettant complètement à la disposition de cette cause qui me dépasse évidemment. Aujourd'hui, OrYou, c'est chacune des contributions des membres qui constituent cette plateforme. Quand on a une prise de conscience, quand on prend goût à la liberté, on ne peut pas revenir en arrière. Ça apporte énormément de bonheur. C'est un nombre de rencontres incroyable. C'est une chance que je souhaite à toutes celles et ceux qui souhaitent effectivement s'ouvrir sur la vie et le monde. Pour moi, ça a été le plus grand bonheur de pouvoir rejoindre pleinement, entièrement, ce projet qui aujourd'hui fait partie de ma vie et surtout qui est au profit de celles et ceux qui pourront effectivement s'y inscrire. Voilà, donc je chemine avec ma contribution, en ayant bien conscience que c'est la sommation de toutes les contributions du monde qui pourront effectivement porter ce message. Quand on voit que notre système aujourd'hui de course effrénée a simplement des ratios mathématiques, financiers, fait que au lieu de s'intéresser à l'impact que nous avons sur notre écosystème, nous sommes simplement là à essayer de valider des comptes tous les 3 mois pour faire plaisir à des analystes qui sont eux-mêmes soumis par finalement cette approche constante de toujours plus, mais pour aller où? Un moment important, ça a été vraiment cette crise financière. Quand le système fonctionne et que on crée des bulles d'exubérance, on pourrait très bien dire bon ben très bien. Sauf que quand la bulle éclate, quand les bulles éclatent et qu'elles ont un impact dévastateur sur des pans entiers de la population mondiale, sur des personnes qui perdent leur logement, des familles qui se disloquent pour des raisons effectivement complètement exogènes, eh bien là on rentre dans quelque chose qui malheureusement n'est pas normal et doit évoluer. Dans le système capitaliste aujourd'hui tel qu'il est, tout n'est pas acheté. Ce qui est très important, c'est que le système en lui-même se constitue par des individus, des personnes. Et ces personnes ont des vies, ont des passions, ont des choses qui leur est chère. Et au final, pris dans chacune de ces personnes, on s'aperçoit qu'il y a une petite clé de résonance à ceux qui ont les capitaux, de leur dire, allez-y aussi. Parce que non seulement vous allez vibrer, parce qu'un investissement, c'est sur des années, c'est d'avant tout une passion, et puis si ça fonctionne, si ça a un impact positif, ben vous serez fier, vous serez heureux, vous aurez fait quelque chose de bien,
et peut-être même que vos conseillers financiers vous diront bah, finalement, vous avez fait un bon investissement. Aujourd'hui, on a besoin de faire circuler les capitaux. C'est un point essentiel. L'argent est énergie, l'argent doit circuler. Il ne doit pas rester simplement à dormir dans des banques alors qu'on a tout un tas de personnes qui tapent aux portes avec des superbes projets, avec des superbes initiatives. C'est une chaîne, cette évolution est possible, elle est véritablement possible. Alors, à chacun de se déterminer par rapport à tout ça. Pour arriver à faire évoluer un système, il faut le comprendre. Il faut comprendre les rouages et les mécanismes. Et ça, c'est un point important. C'est comme une caisse à outils. Si on veut à un moment donné réparer, il faut qu'on ait quand même les outils, ou en tout cas une connexion, une compréhension des outils qui sont capables d'avoir un impact. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de prendre un petit peu de recul et de comprendre que tout est lié, tout est interconnecté. Internet l'a apporté d'autant plus. Nous sommes aujourd'hui véritablement dans une capacité à être connectés mondialement, instantanément, les uns aux autres. Avant même de rentrer dans le domaine financier, donc quand j'avais 18 ans, 20 ans, il y avait cette observation de ce que j'appelle la trajectoire de l'humanité. Et je la regardais et je m'interrogeais. Et donc je m'interrogeais sur beaucoup de choses, sur la politique en général, sur l'économie, sur la géopolitique, sur l'ensemble des interactions et des implications sociétales qui en découlaient. Et puis, le cheminement se fait. Et il y a des faits divers, il y a des actions, il y a des choses incompréhensibles qui se passent, qui nous interpellent. Il y a des rencontres, il y a des départs. Il y a un certain nombre de choses qui font qu'à un moment donné, bien, il y a eu des choses qui sont passées et qui font qu'on est beaucoup plus réceptif. On apprend l'écoute. On comprend son importance. On apprend que la vie est essentielle, que c'est une chance. Voilà. Avec tous ces éléments-là, à un moment donné, voilà, il y a des petits moments qui sont un peu plus importants peut-être en termes de catalyseurs. Moi, j'ai simplement suivi mon fil de vie. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est pas à un moment donné, on se lève le matin et on se dit « Tiens, je vais changer de veste ». C'est simplement, en fait, on ne change pas de vie. On la vit, tout simplement. Et donc, dans le cheminement de vie, eh bien, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on est prêt et qu'on est déjà dans autre chose.